des Juifs, reconnaissables à leurs bonnets coniques, de riches Chinois, dans leurs costumes traditionnels, robes très larges, bleues, violettes ou noires, ouvertes devant et derrière, et recouvertes d'une seconde robe à larges manches dont la coupe rappelle celle des popes. Des Turcs, qui portaient encore le turban traditionnel, des Hindous à bonnet carré, avec un simple cordon pour ceinture, et dont quelques-uns, plus spécialement désignés sous le nom de Chikapuri, tiennent entre leurs mains tout le trafic de l'Asie centrale. Enfin, des Tartares, chaussés de bottes agrémentées de soutaches multicolores, et la poitrine plastronnée de broderies. Tous ces négociants avaient dû entasser dans la cale et sur le pont leurs nombreux bagages, dont le transport devait leur coûter cher, car réglementairement, ils n'avaient droit qu'à un poids de 20 livres par personne. À l'avant du Caucase étaient groupés des passagers plus nombreux, non seulement des étrangers, mais aussi des Russes, auxquels l'arrêté ne défendait pas de regagner les villes de la province. Il y avait là des moudjiks, coiffés de bonnets ou de casquettes, vêtus d'une chemise à petits carreaux sous leur vaste pelisse, et des paysans du Volga, pantalons bleus fourrés dans leurs bottes, chemises de coton rose serrées par une corde, casquettes plates ou bonnets de feutre. Quelques femmes, vêtues de robes de cotonnade à fleurs, portaient le tablier à couleurs vives et le mouchoir à dessins rouges sur la tête. C'étaient principalement des passagers de troisième classe, que très heureusement la perspective d'un long voyage de retour ne préoccupait pas. En somme, cette partie du pont était fort encombrée. Aussi, les passagers de l'arrière ne s'aventuraient guère parmi ces groupes très mélangés dont la place était marquée sur l'avant des tambours. Cependant, le Caucase filait de toute la vitesse de ses aubes entre les rives du Volga. Il croisait de nombreux bateaux, auxquels des remorqueurs faisaient remonter le cours du fleuve, et qui transportaient toutes sortes de marchandises à Nijni Novgorod. Puis passaient des trains de bois, longs comme ces interminables fils de sargasses de l'Atlantique, et des chalands chargés à couler bas, noyés jusqu'au plat-bord. Voyage inutile à présent, puisque la foire venait d'être brusquement dissoute à son début. Les rives du Volga, éclaboussées par le sillage du steamboat, se couronnaient de volées de canards qui fuyaient en poussant des cris assourdissants. Un peu plus loin, sur ces plaines sèches, bordées d'aunes, de saules, de trembles, s'éparpillaient quelques vaches d'un rouge foncé, des troupeaux de moutons à toison brune, de nombreuses agglomérations de porcs et de porcelets blancs et noirs. Quelques champs, semés de maigres sarrasins et de seigles, s'étendaient jusqu'à l'arrière-plan de coteaux à demi cultivés, mais qui, en somme, n'offraient aucun point de vue remarquable. Dans ces paysages monotones, le crayon d'un dessinateur en quête de quelques sites pittoresques n'eût rien trouvé à reproduire. 2 heures après le départ du Caucase, la jeune Livonienne s'adressa à Michel Strogoff et lui dit « Tu vas à Irkoutsk, frère ?»« Oui, sœur. Nous faisons tous les deux la même route. Par conséquent, partout où je passerai, tu passeras. » »« Demain, frère, tu sauras pourquoi j'ai quitté les rives de la Baltique pour aller au-delà des monts Oural. » Je ne te demande rien, sœur. Tu sauras tout. Une sœur ne doit rien cacher à son frère. Mais aujourd'hui, je ne pourrais... La fatigue, le désespoir m'avait brisée. Veux-tu reposer dans ta cabine? Oui. Oui, et demain? Viens donc. Il hésitait à finir sa phrase, comme s'il eût voulu l'achever par le nom de sa compagne, qu'il ignorait encore. Nadia. Viens, Nadia. Et use sans façon de ton frère Nicolas Korpanov. Et il conduisit la jeune fille à la cabine qui avait été retenue pour elle sur le salon arrière. Michel Strogoff revint sur le pont, et avide des nouvelles qui pouvaient peut-être modifier son itinéraire, il se mêla au groupe de passagers, écoutant, mais ne prenant point part aux conversations. D'ailleurs, si le hasard faisait qu'il fût interrogé, et dans l'obligation de répondre, il se donnerait pour le négociant Nicolas Korpanov que le Caucase reconduisait à la frontière, car il ne voulait pas que l'on pût se douter qu'une permission spéciale l'autorisait à voyager en Sibérie. Les étrangers que le steamboat transportait ne pouvaient évidemment parler que des événements du jour, de l'arrêté et de ses conséquences. Ces pauvres gens, à peine remis des fatigues d'un voyage à travers l'Asie centrale, se voyaient forcés de revenir, et s'ils n'exhalaient pas hautement leur colère et leur désespoir, c'est qu'ils ne l'osaient pas. Une peur mêlée de respect les retenait.
Il était possible que des inspecteurs de police chargés de surveiller les passagers fussent secrètement embarqués à bord du Caucase. Et mieux valait tenir sa langue. L'expulsion, après tout, étant encore préférable à l'emprisonnement dans une forteresse. Aussi, parmi ces groupes où l'on se taisait, où les propos s'échangeaient avec circonspection, on ne pouvait guère tirer quelque utile renseignement. Mais si Michel Strogoff n'eut rien à apprendre de ce côté, si même les bouches se fermèrent plus d'une fois à son approche, car on ne le connaissait pas, ses oreilles furent bientôt frappées par les éclats d'une voix peu soucieuse d'être ou non entendue. L'homme, à la voix gaie, parlait russe, mais avec un accent étranger, et son interlocuteur plus réservé lui répondait dans la même langue qui n'était pas non plus sa langue originelle. Comment ? Comment vous sur ce bateau ? Mon cher confrère, vous que j'ai vu à la fête impériale de Moscou et seulement entrevu à Nijinovgorod ? Moi-même. Eh bien franchement, je ne m'attendais pas à être immédiatement suivi par vous et de si près. Je ne vous suis pas, monsieur. Je vous précède. Précède, précède. Mettons que nous marchons de front. Du même pas, comme deux soldats à la parade et provisoirement du moins, convenons si vous le voulez, que l'un ne dépassera pas l'autre. Je vous dépasserai, au contraire. Nous verrons cela quand nous serons sur le théâtre de la guerre. Mais jusque-là, que diable, soyons compagnons de route. Plus tard, nous aurons bien le temps et l'occasion d'être rivaux. Ennemis. Ennemis, soit. Vous avez dans vos paroles, chers confrères, une précision qui m'est tout particulièrement agréable. Avec vous, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Mais où est le mât ? Il n'y en a aucun. Aussi, à mon tour, je vous demanderai la permission de préciser notre situation réciproque. Préciser ? Vous allez à Perm, comme moi. Comme vous ? Et probablement, vous vous dirigerez de Perm sur Ekaterinbourg, puisque c'est la route la meilleure et la plus sûre par laquelle on puisse franchir les monts Oural. Probablement. Une fois la frontière passée, nous serons en Sibérie, c'est-à-dire en pleine invasion. Nous y serons. Eh bien alors, mais seulement alors, ce sera le moment de dire « Chacun pour soi et Dieu pour... » Dieu pour moi. Dieu pour vous tout seul. Très bien. Mais puisque nous avons devant nous une tête de jour neutre, et puisque très certainement les nouvelles ne pleuvront pas en route, soyons amis jusqu'au moment où nous redeviendrons rivaux. Ennemis. Oui, c'est juste, ennemis. Mais jusque-là, agissons de concert et ne nous entre-dévorons pas. Je vous promets d'ailleurs de garder pour moi tout ce que je pourrai voir. Et moi, tout ce que je pourrai entendre. Est-ce dit ? C'est dit. Votre main. La voilà, sœur. Et la main du premier interlocuteur, c'est-à-dire cinq doigts largement ouverts, secoua vigoureusement les deux doigts que lui tendit flegmatiquement le second. À propos, j'ai pu ce matin télégraphier à ma cousine le texte même de l'arrêté dès 10h17. Et moi, je l'ai adressé au Daily Telegraph, dès 10h13. Bravo, monsieur Blanc. Trop bon, monsieur Jolivet. À charge de revanche. Ça sera difficile. On essaiera pourtant. Ce disant, le correspondant français salua familièrement le correspondant anglais, qui, inclinant sa tête, lui rendit son salut avec une raideur toute britannique. Ces deux chasseurs de nouvelles... L'arrêté du gouverneur ne les concernait pas, puisqu'ils n'étaient ni russes ni étrangers d'origine asiatique. Ils étaient donc partis, et s'ils avaient quitté ensemble Nijni Novgorod, c'est que le même instinct les poussait en avant. Il était donc naturel qu'ils eussent pris le même moyen de transport et qu'ils suivissent la même route jusqu'aux steppes sibériennes. Compagnons de voyage, amis ou ennemis, ils avaient devant eux 8 jours avant que la chasse fût ouverte. Et alors, au plus adroit. Alcide Jolivet avait fait les premières avances, et si froidement que ce fut, Harry Blunt les avait acceptées. Quoi qu'il en soit, au dîner de ce jour, le français toujours ouvert et même un peu loquace, l'anglais toujours fermé, toujours gourmé, trinquait à la même table en buvant un cliquot authentique à 6 roubles la bouteille, généreusement fait avec la sève fraîche des bouleaux du voisinage. En entendant ainsi causer Alcide Jolivet et Harry Blunt, Michel Strogoff s'était dit « Voici des curieux et des indiscrets que je rencontrerai probablement sur ma route. Il me paraît prudent de les tenir à distance. » La jeune Livonienne ne vint pas dîner. Elle dormait dans sa cabine et Michel Strogoff ne voulut pas la faire réveiller. Le soir arriva donc sans qu'elle eût reparu sur le pont du Caucase. Le long crépuscule imprégnait alors l'atmosphère d'une fraîcheur que les passagers recherchèrent avidement après l'accablante chaleur du jour. Quand l'heure fut avancée, la plupart ne songèrent même pas à regagner les salons ou les cabines.
Étendu sur les bancs, il respirait avec délice un peu de cette brise que développait la vitesse du steamboat. Le ciel, à cette époque de l'année, sous cette latitude, devait à peine s'obscurcir entre le soir et le matin. Et il laissait au timonier toute aisance pour se diriger au milieu des nombreuses embarcations qui descendaient ou remontaient le Volga. Cependant, entre 11h et 2h du matin, la lune étant nouvelle, il fit à peu près nuit. Presque tous les passagers du pont dormaient alors, et le silence n'était plus troublé que par le bruit des palettes, frappant l'eau à intervalles réguliers. Une sorte d'inquiétude tenait éveillé Michel Strogoff. Il allait et venait, mais toujours à l'arrière du steamboat. Une fois cependant, il lui arriva de dépasser la chambre des machines. Il se trouva alors sur la partie réservée aux voyageurs de seconde et de troisième classe. Là, on dormait, non seulement sur les bancs, mais aussi sur les ballots, les colis, et même sur les planches du pont. Seuls, les matelots de quart se tenaient debout sur le gaillard d'avant. Deux lueurs, l'une verte, l'autre rouge, projetées par les fanaux de tribord et de bâbord, envoyaient quelques rayons obliques sur les flancs du steamboat. Il fallait une certaine attention pour ne pas piétiner les dormeurs, capricieusement étendus çà et là. C'était pour la plupart des moudjiks, habitués à se coucher à la dure, et auxquels les planches d'un pont devaient suffire. Néanmoins, ils auraient fort mal accueilli, sans doute, le maladroit qui les eut éveillés à coups de botte. Michel Strogoff faisait donc attention à ne heurter personne. En allant ainsi vers l'extrémité du bateau, il n'avait d'autre idée que de combattre le sommeil par une promenade un peu plus longue. Or, il était arrivé à la partie antérieure du pont, et il montait déjà l'échelle du gaillard d'avant lorsqu'il entendit parler près de lui. Il s'arrêta. Les voix semblaient venir d'un groupe de passagers, enveloppés de châles et de couvertures, qu'il était impossible de reconnaître dans l'ombre. Mais il arrivait parfois, lorsque la cheminée du steamboat, au milieu des volutes de fumée, s'empanachait de flammes rougeâtres, que des étincelles semblaient courir à travers le groupe, comme si des milliers de paillettes se fussent subitement allumées sous un rayon lumineux. Michel Strogoff allait passer outre, lorsqu'il entendit plus distinctement certaines paroles, prononcées en cette langue bizarre, qui avait déjà frappé son oreille pendant la nuit sur le champ de foire. Instinctivement, il eut la pensée d'écouter. Protégé par l'ombre du gaillard, il ne pouvait être aperçu. Quant à voir les passagers qui causaient, cela lui était impossible. Il dut donc se borner à prêter l'oreille. Les premiers mots qui furent échangés n'avaient aucune importance, du moins pour lui. Mais ils lui permirent de reconnaître précisément les deux voix de femmes et d'hommes qu'il avait entendues à Nijni Novgorod. Dès lors, redoublement d'attention de sa part. Il n'était pas impossible en effet que ces tziganes, dont il avait surpris un lambeau de conversation, maintenant expulsés avec tous leurs congénères, ne fussent à bord du Caucase. Eh bien, lui en prit d'écouter, car ce fut assez distinctement qu'il entendit cette demande et cette réponse, faite en idiome tartare. On dit qu'un courrier est parti de Moscou pour Irkout. On le dit, Sangueur, mais où ce courrier arrivera trop tard, ou il n'arrivera pas. Michel Strogoff tressaillit involontairement à cette réponse qui le visait si directement. Il essaya de reconnaître si l'homme et la femme qui venaient de parler étaient bien ceux qu'il soupçonnait. Mais l'ombre était alors trop épaisse et il n'y put réussir. Quelques instants après, Michel Strogoff, sans avoir été aperçu, avait regagné l'arrière du steamboat et la tête dans les mains, il s'asseyait à l'écart. On eût pu croire qu'il dormait. Il ne dormait pas et ne songeait pas à dormir. Il réfléchissait à ceci non sans une assez vive appréhension. Qui donc sait mon départ et qui donc a intérêt à le savoir? Chapitre 8. En remontant la Kama. Le lendemain, 18 juillet, à 6h40 du matin, le Caucase arrivait à l'embarcadère de Kazan, que cette verste sépare de la ville. Kazan est situé au confluent du Volga et de la Kazanka. C'est un important chef-lieu de gouvernement et d'archevêché grec, en même temps qu'un siège d'université. La population variée de cette gubernie se compose de Tchérémis, de Mordvienne, de Touvache, de Volsac, de Vigoulitch, de Tartare, cette dernière race ayant conservé plus spécialement le caractère asiatique. Bien que la ville fût assez éloignée du débarcadère, une foule nombreuse se pressait sur le quai. On venait
venait aux nouvelles. Le gouverneur de la province avait pris un arrêté identique à celui de son collègue de Nijni Novgorod. On voyait là des Tartares vêtus d'un caftan à manches courtes et coiffés de bonnets pointus dont les larges bords rappellent celui du pierrot traditionnel. D'autres, enveloppés d'une longue houppelande, la tête couverte d'une petite calotte, ressemblaient à des juifs polonais. Des femmes, la poitrine plastronnée de clinquants, la tête couronnée d'un diadème relevé en forme de croissant, formaient divers groupes dans lesquels on discutait. Des officiers de police mêlés à cette foule, quelques cosaques, la lance au poing, maintenaient l'ordre et faisaient faire place aussi bien aux passagers qui débarquaient du Caucase qu'à ceux qui embarquaient. Mais après avoir minutieusement examiné ces deux catégories de voyageurs, c'était d'une part des Asiatiques frappés du décret d'expulsion et de l'autre quelques familles de Moudjiks qui s'arrêtaient à Kazan. Michel Strogoff regardait d'un air assez indifférent ce va-et-vient particulier à tout embarcadère auquel vient d'accoster un steamboat. Le Caucase devait faire escale à Kazan pendant une heure, temps nécessaire au renouvellement de son combustible. Quant à débarquer, Michel Strogoff n'en eut pas même l'idée. Il n'aurait pas voulu laisser seule à bord la jeune Livonienne qui n'avait pas encore reparu sur le pont. Les deux journalistes, eux, s'étaient levés dès l'aube, comme il convient à tout chasseur diligent. Ils descendirent sur la rive du fleuve et se mêlèrent à la foule, chacun de son côté. Michel Strogoff aperçut d'un côté Harry Blount, le carnet à la main, crayonnant quelques types ou notant quelques observations, de l'autre, Alcide Jolivet se contentant de parler, sûr de sa mémoire, qui ne pouvait rien moins, était déjà extrêmement difficile. Voilà ce que Michel Strogoff, sans avoir quitté le pont du Caucase, entendait dire aux nouveaux embarqués. Or, ses propos ne laissaient pas de lui causer une véritable inquiétude. Et ils excitaient l'impérieux désir qu'il avait d'être au-delà des monts Oural, afin de juger par lui-même de la gravité des événements et de se mettre en mesure de parer à toute éventualité. Peut-être allait-il même demander des renseignements plus précis à quelque indigène de Kazan. Lorsque son attention fut tout à coup distraite, parmi les voyageurs qui quittaient le Caucase, Michel Strogoff reconnut alors la troupe des Tziganes, qui la veille figurait encore sur le champ de foire de Nijni Novgorod. Là, sur le pont du steamboat, se trouvaient et le vieux bohémien et la femme qu'il avait traité d'espion. Avec eux, sous leur direction sans doute, débarquaient une vingtaine de danseuses et de chanteuses de 15 à 20 ans, enveloppées de mauvaises couvertures qui recouvraient leurs jupes à paillettes. Ces étoffes, piquées alors par les premiers rayons du soleil, rappelèrent à Michel Strogoff cet effet singulier qu'il avait observé pendant la nuit. C'était tout ce paillon de bohème qui étincelait dans l'ombre lorsque la cheminée du steamboat vomissait quelques flammes. Il est évident, se dit-il, que cette troupe de Tziganes, après être restée sous le pont pendant le jour, est venue se blottir sous le gaillard pendant la nuit. Tenait-il donc à se montrer le moins possible, ces bohémiens ? Ce n'est pourtant pas dans les habitudes de leur race. Michel Strogoff ne douta plus alors que le propos qui le touchait directement ne fût parti de ce groupe noir, pailleté par les lueurs du bord, et n'eût été échangé entre le vieux Tzigane et la femme à laquelle il avait donné le nom mongol de Sangar. Michel Strogoff, par un mouvement involontaire, se porta donc vers la coupée du steamboat au moment où la troupe bohémienne allait le quitter pour n'y plus revenir. Le vieux bohémien était là, dans une humble attitude, peu conforme avec l'effronterie naturelle de ses congénères. On eût dit qu'il cherchait plutôt à éviter les regards qu'à les attirer. Son lamentable chapeau, rôti par tous les soleils du monde, s'abaissait profondément sur sa face ridée. Son dos voûté se bombait sous une vieille souquenille, dont il s'enveloppait étroitement, malgré la chaleur. Il eût été difficile, sous ce misérable accoutrement, de juger de sa taille et de sa figure. Près de lui, la Tzigane Sangar, femme de 30 ans, brune de peau, grande, bien campée, les yeux magnifiques, les cheveux dorés, se tenait dans une pose superbe. De ces jeunes danseuses, plusieurs étaient remarquablement jolies, tout en ayant le type franchement accusé de leur race. Les Tziganes sont généralement attrayantes, et plus d'un de ces grands seigneurs russes, qui font profession de lutter d'excentricité avec les Anglais, n'a pas hésité à choisir sa femme parmi ses bohémiennes. L'une
chef fredonnait une chanson d'un rythme étrange, dont les premiers vers peuvent se traduire ainsi. Le corail luit sur ma peau brune, l'épingle d'or à mon chignon. Je vais chercher fortune au pays de... La rieuse fille continua sa chanson sans doute, mais Michel Strogoff ne l'écoutait plus. En effet, il lui sembla que la Tzigane Sangar le regardait avec une insistance singulière. On eût dit que cette bohémienne voulait ineffaçablement graver ses traits dans sa mémoire. Quelques instants après, Sangar débarquait la dernière, lorsque le vieillard et sa troupe avaient déjà quitté le Caucase. Voilà une effrontée bohémienne, se dit Michel Strogoff. Est-ce qu'elle m'aurait reconnu pour l'homme qu'elle a traité d'espion à Nizhny Novgorod? Les dames Tziganes ont des yeux de chat. Elle y voit clair la nuit, et celle-là pourrait bien savoir. Michel Strogoff fut sur le point de suivre Sangar et sa troupe, mais il se retint. Non, pensa-t-il. Pas de démarche irréfléchie. Si je fais arrêter ce vieux diseur de Bonaventure et sa bande, mon incognito risque d'être dévoilé. Dévoilé débarqué d'ailleurs, et avant qu'ils aient passé la frontière, je serai déjà loin de l'Oural. Je sais bien qu'ils peuvent prendre la route de Kazaa à Maïchim, mais elle n'offre aucune ressource. Et un Tarantas attelé de bons chevaux de Sibérie devancera toujours un chariot de bohémiens. Allons, ami Korpanov, reste tranquille. D'ailleurs, à ce moment, le vieux Tzigane et Sangar avaient disparu dans la foule. Si Kazan est justement appelé la porte de la vie, si cette ville est considérée comme le centre de tout le transit du commerce sibérien et boukharien, c'est que deux routes viennent s'y amorcer, qui donnent passage à travers les monts Ourals. Mais Michel Strogoff avait choisi très judicieusement en prenant celle qui va par Perm, Ekaterinenburg et Tiumen. C'est la grande route de poste, bien fournie de relais entretenus aux frais de l'État, et elle se prolonge depuis Ichim jusqu'à Irkoutsk. Il est vrai qu'une seconde route, celle dont Michel Strogoff venait de parler, évitant le léger détour de Perm, relie également Kazan à Ichim, en passant par Yelabouga, Menzelinsk, Birsk, Zlatoust, où elle quitte l'Europe, Tchelabinsk, Chadrinsk et Gourgano. Peut-être même est-elle un peu plus courte que l'autre, mais cet avantage est singulièrement diminué par l'absence des maisons de poste, le mauvais entretien du sol et la rareté des villages. Michel Strogoff, avec raison, ne pouvait être qu'approuvé du choix qu'il avait fait. Et si, ce qui paraissait probable, ces bohémiens suivaient cette seconde route de Kazan à Ichim, il avait toute chance d'y arriver avant eux. Une heure après, la cloche sonnait à l'avant du Caucase, appelant les nouveaux passagers et rappelant les anciens. Il était 7h du matin. Le chargement du combustible venait d'être achevé. Les tôles des chaudières frissonnaient sous la pression de la vapeur. Le steamboat était prêt à partir. Les voyageurs qui allaient de Kazan à Perm occupaient déjà leur place à bord. En ce moment, Michel Strogoff remarqua que des deux journalistes, Harry Blount était le seul qui eut rejoint le steamboat. Alcide Jolivet allait-il donc manquer le départ? Mais à l'instant où l'on détachait les amarres, apparut Alcide Jolivet tout courant. Le steamboat avait déjà débordé, la passerelle était même retirée sur le quai. Mais Alcide Jolivet ne s'embarrassa pas de si peu. Et sautant avec la légèreté d'un clown, il retomba sur le pont du Caucase, presque dans les bras de son confrère. « J'ai cru que le Caucase allait partir sans vous. »« Bah, j'aurais bien su vous rattraper quand j'aurais dû fréter un bateau aux frais de ma cousine ou courir à la poste à 20 copecs par verste et par cheval, que voulez-vous ? Il y avait loin de l'embarcadère au télégraphe. »« Vous êtes allé au télégraphe ?»« J'y suis allé. »« Et il fonctionne toujours jusqu'à Kolyvan ?»« Cela, je l'ignore, mais je puis vous assurer, par exemple, qu'il fonctionne de Kazan à Paris. »« Vous avez adressé une dépêche à votre cousine ?» Avec enthousiasme. Vous avez donc appris? Tenez, mon petit père, pour parler comme les Russes. Je suis bon enfant, moi, et je ne veux rien avoir à cacher pour vous. Les Tartares, Féofarkhan à leur tête, ont dépassé Semipalatinsk et descendent sur le cours de l'Irtych. Faites-en votre profit. Comment? Une si grave nouvelle, et Harry Blount ne la connaissait pas. Et son rival, qu'il avait vraisemblablement apprise de quelques habitants de Kazan, l'avait aussitôt transmise à Paris. Le journal anglais était distancé. Aussi Harry Blount, croisant ses mains derrière son dos, alla-t-il s'asseoir à l'arrière du steamboat sans ajouter une parole. Vers 10h du matin, la jeune Livonienne, ayant quitté sa cabine, monta sur le pont.
Michel Strogoff, allant à elle, lui tendit la main. « Regarde, sœur, lui dit-il après l'avoir amené jusque sur l'avant du Caucase. Et en effet, le site valait qu'on l'examina avec quelque attention. Le Caucase arrivait en ce moment au confluent du Volga et de la Kama. C'est là qu'il allait quitter le grand fleuve après l'avoir descendu pendant plus de 400 verstes pour remonter l'importante rivière sur un parcours de 460 verstes. En cet endroit, les eaux des deux courants mêlaient leurs teintes un peu différentes et la Kama rendant à la rive gauche le même service que l'Oka avait rendu à sa rive droite en traversant Nijni Novgorod, l'assainissait encore de son limpide affluent. La Kama s'ouvrait largement alors, et ses rives boisées étaient charmantes. Quelques voiles blanches animaient ses belles eaux, tout imprégnées de rayons solaires. Les coteaux, plantés de trembles, d'aulnes et parfois de grands chênes, fermaient l'horizon par une ligne harmonieuse, que l'éclatante lumière de midi confondait en certains points avec le fond du ciel. Mais ces beautés naturelles ne semblaient pas pouvoir détourner même un instant les pensées de la jeune Livonienne. Elle ne voyait qu'une chose, le but à atteindre, et la Kama n'était pour elle qu'un chemin plus facile pour y arriver. Ses yeux brillaient extraordinairement en regardant vers l'est, comme si elle eût voulu percer de son regard cet impénétrable horizon. Nadia avait laissé sa main dans la main de son compagnon, et bientôt se retournant vers lui. « À quelle distance sommes-nous de Moscou ?»« À 900 verstes. »« 900 sur 7000 ?» C'était l'heure du déjeuner, qui fut annoncée par quelques tintements de la cloche. Nadia suivit Michel Strogoff au restaurant du Steamboat. Elle ne voulut point toucher à ses hors-d'œuvre, servis à part, tels que caviar, hareng coupé par petites tranches, eau-de-vie de seigle anisée destinée à stimuler l'appétit, suivant un usage commun à tous les pays du Nord, en Russie comme en Suède ou en Norvège. Nadia mangea peu, et peut-être comme une pauvre fille dont les ressources sont très restreintes. Michel Strogoff crut donc devoir se contenter du menu qui allait suffire à sa compagne, c'est-à-dire d'un peu de koulbat, sorte de pâté fait avec des jaunes d'œufs, du riz et de la viande pilée, de choux rouges farcis au caviar et de thé pour toute boisson. Ce repas ne fut donc ni long ni coûteux, et moins de 20 minutes après s'être mis tous les deux à table, Michel Strogoff et Nadia remontaient ensemble sur le pont du Caucase. Alors, ils s'assirent à l'arrière, et sans autre préambule, Nadia, baissant la voix de manière à n'être entendue que de lui seul. « Frère, je suis la fille d'un exilé. Je me nomme Nadia Fedor. Ma mère est morte à Riga il y a un mois à peine, et je vais à Irkoutsk rejoindre mon père pour partager son exil. »« Je vais moi-même à Irkoutsk, et je regarderai comme une faveur du ciel de remettre Nadia Fedor, saine et sauve, entre les mains de son père. »« Merci, frère. » Michel Strogoff ajouta alors qu'il avait obtenu un podarochna spécial pour la Sibérie et que du côté des autorités russes, rien ne pourrait entraver sa marche. Nadia n'en demanda pas davantage. Elle ne voyait qu'une chose dans la rencontre providentielle de ce jeune homme simple et bon. Le moyen, pour elle, d'arriver jusqu'à son père. J'avais un permis qui me donnait l'autorisation de me rendre à Irkoutsk, mais l'arrêté du gouverneur de Nijni Novgorod est venu l'annuler. Et sans toi, frère, je n'aurais pu quitter la ville où tu m'as trouvée et dans laquelle, bien sûr, je serais morte. Et seule, Nadia, seule, tu osais t'aventurer à travers les steppes de la Sibérie. C'était mon devoir, frère. Mais ne savais-tu pas que le pays soulevé et envahi était devenu presque infranchissable? L'invasion tartare n'était pas connue quand je quittais Riga. C'est à Moscou seulement que j'ai appris cette nouvelle. Et malgré cela, tu as poursuivi ta route? C'était mon devoir. Ce mot résumait tout le caractère de cette courageuse jeune fille. Ce qui était son devoir, Nadia n'hésitait jamais à le faire. Elle parlait alors de son père, Vassili Fedor. C'était un médecin estimé de Riga. Il exerçait sa profession avec succès et vivait heureux au milieu des siens. Mais son affiliation à une société secrète étrangère ayant été établie, il reçut l'ordre de partir pour Irkoutsk. Et les gendarmes qui lui apportaient cet ordre le conduisirent sans délai au-delà de la frontière. Vassili Fedor n'eut que le temps d'embrasser sa femme, déjà bien souffrante, sa fille qui allait peut-être rester sans appui, et pleurant sur ces deux êtres qu'il aimait, il partit. Depuis 2 ans, il habitait la capitale de la Sibérie orientale,
Et là, il avait pu continuer, mais presque sans profit, sa profession de médecin. Néanmoins, peut-être eût-il été heureux, autant qu'un exilé peut l'être, si sa femme et sa fille eussent été près de lui. Mais Madame Fedor, déjà bien affaiblie, n'aurait pu quitter Riga. 20 mois après le départ de son mari, elle mourut dans les bras de sa fille, qu'elle laissait seule et presque sans ressources. Nadia Fedor demanda alors et obtint facilement du gouvernement russe l'autorisation de rejoindre son père à Irkoutsk. Elle lui écrivit qu'elle partait. À peine avait-elle de quoi suffire à ce long voyage. Et cependant, elle n'hésita pas à l'entreprendre. Elle faisait ce qu'elle pouvait, et Dieu ferait le reste. Pendant ce temps, le Caucase remontait le courant de la rivière. La nuit était venue et l'air s'imprégnait d'une délicieuse fraîcheur. Des étincelles s'échappaient par milliers de la cheminée du steamboat chauffée au bois de pin, et au murmure des eaux brisées sous son étrave se mêlaient les rugissements des loups qui infestaient dans l'ombre la rive droite de la Kama. Chapitre 9. En Tarentas, nuit et jour. Le lendemain, 18 juillet, le Caucase s'arrêtait au débarcadère de Perm, dernière station qu'il desservit sur la Kama. Ce gouvernement, dont Perm est la capitale, est l'un des plus vastes de l'Empire russe. Et franchissant les monts Oural, il empiète sur le territoire de la Sibérie. Carrières de marbre, salines, gisements de platine et d'or, mines de charbon y sont exploités sur une grande échelle. En attendant que Perm, par sa situation, devienne une ville de premier ordre, elle est fort peu attrayante, très sale, très boueuse et n'offre aucune ressource. À ceux qui vont de Russie en Sibérie, ce manque de confort est assez indifférent car ils viennent de l'intérieur et sont munis de tout le nécessaire. Mais à ceux qui arrivent des contrées de l'Asie centrale, après un long et fatigant voyage, il ne déplairait pas sans doute que la première ville européenne de l'Empire, située à la frontière asiatique, fût mieux approvisionnée. C'est à Perm que les voyageurs revendent leurs véhicules plus ou moins endommagés par une longue traversée au milieu des plaines de la Sibérie. C'est là aussi que ceux qui passent d'Europe en Asie achètent des voitures pendant l'été, des traîneaux pendant l'hiver, avant de se lancer pour plusieurs mois au milieu des steppes. Michel Strogoff avait déjà arrêté son programme de voyage et il n'était plus question que de l'exécuter. Il existe un service de malle-poste qui franchit assez rapidement la chaîne des monts Ourals. Mais les circonstances étant données, ce service était désorganisé. Ne l'eût-il pas été que Michel Strogoff, voulant aller rapidement, sans dépendre de personne, n'aurait pas pris la malle-poste. Il préférait, avec raison, acheter une voiture et courir de relais en relais, en activant par des navots de coups supplémentaires, des pourboires, le zèle de ses postillons appelés « imchik » dans le pays. Malheureusement, par suite des mesures prises contre les étrangers d'origine asiatique, un grand nombre de voyageurs avaient déjà quitté Perm, et par conséquent, les moyens de transport étaient extrêmement rares. Michel Strogoff serait donc dans la nécessité de se contenter du revenu des autres. Quant aux chevaux, tant que le courrier du tsar ne serait pas en Sibérie, il pourrait sans danger exhiber son podarochna et les maîtres de poste attelleraient pour lui de préférence. Mais ensuite, une fois hors de la Russie européenne, il ne pourrait plus compter que sur la puissance des roubles. Mais à quel genre de véhicule atteler ses chevaux? À une télègue ou à un tarantas? La télègue n'est qu'un véritable chariot découvert à 4 roues, dans la confection duquel il n'entre absolument que du bois. Roues, essieux, chevilles, caisses, brancards, les arbres du voisinage ont tout fourni. Et l'ajustement des diverses pièces dont la télègue se compose n'est obtenu qu'au moyen de cordes grossières. Rien de plus primitif, rien de moins confortable, mais aussi rien de plus facile à réparer si quelque accident se produit en route. Les sapins ne manquent pas sur la frontière russe, et les essieux poussent naturellement dans les forêts. C'est au moyen de la télègue que se fait la poste extraordinaire, connue sous le nom de Perokladnoï, et pour laquelle toutes routes sont bonnes. Quelquefois, il faut bien l'avouer, les liens qui attachent l'appareil se rompent. Et tandis que le train de derrière reste embourbé dans quelques fondrières, le train de devant arrive au relais sur ses 2 roues. Mais le résultat est considéré déjà comme satisfaisant. Michel Strogoff aurait bien été forcé d'employer la télègue s'il n'eût été assez heureux pour découvrir un tarantas.
ce n'est pas que ce dernier véhicule soit le dernier mot du progrès de l'industrie carrossière. Les ressorts lui manquent aussi bien qu'à la TEDx. Le bois, à défaut du fer, n'y est pas épargné. Mais ces quatre roues écartées de 8 à 9 pieds à l'extrémité de chaque essieu lui assurent un certain équilibre sur des routes chaotiques et trop souvent dénivelées. Un garde-crotte protège ses voyageurs contre les bouts du chemin, et une forte capote de cuir, pouvant se rabaisser et le fermer presque hermétiquement, en rend l'occupation moins désagréable par les grandes chaleurs et les violentes bourrasques de l'été. Le tarantas est d'ailleurs aussi solide, aussi facile à réparer que la télègue. Et d'autre part, il est moins sujet à laisser son train d'arrière en détresse sur les grands chemins. Du reste, ce ne fut pas sans de minutieuses recherches que Michel Strogoff parvint à découvrir ce tarantas. Et il était probable qu'on n'en eût pas trouvé un second dans toute la ville de Perm. Malgré cela, il en débattit sévèrement le prix pour la forme, afin de rester dans son rôle de Nicolas Korpanov, simple négociant d'Irkoutsk. Nadia avait suivi son compagnon dans ses courses à la recherche d'un véhicule. Bien que le but à atteindre fût différent, tous deux avaient une égale hâte d'arriver et par conséquent de partir. On eût dit qu'une même volonté les animait. « Sœur, j'aurais voulu trouver pour toi quelques voitures plus confortables. » Tu me dis cela, frère, à moi qui serais allé même à pied s'il l'avait fallu rejoindre mon père. Je ne doute pas de ton courage, Nadia. Mais il est des fatigues physiques qu'une femme ne peut supporter. Je les supporterai quelles qu'elles soient. Si tu entends une plainte s'échapper de mes lèvres, laisse-moi en route et continue seul ton voyage. Une demi-heure plus tard, sur la présentation du Podarochna, trois chevaux de poste étaient attelés au tarantas. Ces animaux couverts d'un long poil ressemblaient à des ours hauts sur pattes. Ils étaient petits mais ardents, étant de race sibérienne. Voici comment le postillon, les tchèques, les avaient attelés. L'un, le plus grand, était maintenu entre deux longs brancards qui portaient à leur extrémité antérieure un cerceau, appelé douka, chargé de houppes et de sonnettes. Les deux autres étaient simplement attachés par des cordes au marchepied du tarantas. Du reste, pas de harnais, et pour guide, rien qu'une simple ficelle. Ni Michel Strogoff, ni la jeune Livonienne n'emportaient de bagages. Les conditions de rapidité dans lesquelles devait se faire le voyage de l'un, les ressources plus que modestes de l'autre, leur avaient interdit de s'embarrasser de colis. Dans cette circonstance, c'était heureux, car où le tarantas n'aurait pu prendre les bagages, où il n'aurait pu prendre les voyageurs. Il n'était fait que pour deux personnes, sans compter Limchik, qui ne se tient sur son siège étroit que par un miracle d'équilibre. Cet Limchik change d'ailleurs à chaque relais. Celui auquel revenait la conduite du tarantas pendant la première étape était sibérien comme ses chevaux, et non moins poilu qu'eux. Cheveux longs, coupés carrément sur le front, chapeau à bord relevé, ceinture rouge, capote à parements croisés sur des boutons frappés au chiffre impérial. Limchik, en arrivant avec son attelage, avait tout d'abord jeté un regard inquisiteur sur les voyageurs du tarantas. Pas de bagages, et où diable les aurait-il fourrés? Donc, apparence peu fortunée, il fit une moue des plus significatives. « Des corbeaux !» dit-il sans se soucier d'être entendu ou non. « Des corbeaux à 6 copecs par veste !»« Non, des aigles !» répondit Michel Strogoff, qui comprenait parfaitement l'argot des Yimchik. « Des aigles, entends-tu, à 9 copecs par veste, le pourboire en sus !» Un joyeux claquement de fouet lui répondit. Le corbeau dans la langue des postillons russes, c'est le voyageur avare ou indigent qui, au relais de paysans, ne paie les chevaux qu'à 2 ou 3 copecs par verstre. L'aigle, c'est le voyageur qui ne recule pas devant les hauts prix, sans compter les généreux pourboires. Aussi, le corbeau ne peut-il avoir la prétention de voler aussi rapidement que l'oiseau impérial. Nadia et Michel Strogoff prirent immédiatement place dans le tarantas. Quelques provisions, peu encombrantes et mises en réserve dans le caisson, devaient leur permettre, en cas de retard, d'atteindre les maisons de poste, qui sont très confortablement installées sous la surveillance de l'État. La capote fut rabattue, car la chaleur était insoutenable. Et à midi, le tarantas, enlevé par ses trois chevaux, quittait Perm au milieu d'un nuage de poussière. La façon dont Limchik maintenait l'allure de son attelage eût été certainement remarquée de 12 autres voyageurs qui, n'étant ni russes ni sibériens, n'eussent pas été habitués à ces façons d'agir. En effet,
Le cheval de brancard, régulateur de la marche, un peu plus grand que ses congénères, gardait imperturbablement, et quelles que fussent les pentes de la route, un trot très allongé, mais d'une régularité parfaite. Les deux autres chevaux ne semblaient connaître d'autre allure que le galop, et se démenaient avec mille fantaisies fort amusantes. Nimchik, d'ailleurs, ne les frappait pas. Tout au plus les stimulait-il par les mousquetades éclatantes de son fouet. Mais que d'épithètes-il leur prodiguait lorsqu'ils se conduisaient en bêtes dociles et consciencieuses, sans compter les noms de saints dont il les affublait. La ficelle qui lui servait de guide n'aurait eu aucune action sur des animaux à demi emportés. Mais « napravo » à droite, « nalevo » à gauche, ces mots, prononcés d'une voix gutturale, faisaient meilleur effet que bride ou bridon. Et que d'aimables interpellations suivant la circonstance. Allez, mes colombes! Allez, gentilles hirondelles! Volez, mes petits pigeons! Hardi, mon cousin de gauche! Pousse, mon petit père de droite! Mais aussi, quand la marche se ralentissait, que d'expressions insultantes, dont les susceptibles animaux semblaient comprendre la valeur. Va donc, escargot du diable! Malheur à toi, limace! Je t'écorcherai vive, tortue, et tu seras damné dans l'autre monde! Quoi qu'il en soit de ces façons de conduire, qui exigent plus de solidité au gosier que de vigueur au bras des imchiks, le tarantas volait sur la route et dévorait de 12 à 14 verstes à l'heure. Michel Strogoff était habitué à ce genre de véhicule et à ce mode de transport. Ni les soubresauts, ni les chaos ne pouvaient l'incommoder. Il savait qu'un attelage russe n'évite ni les cailloux, ni les ornières, ni les fondrières, ni les arbres renversés, ni les fossés qui ravinent la route. Il était fait à cela. Sa compagne risquait d'être blessée par les contre-coups du tarantas, mais elle ne se plaignait pas. Pendant les premiers instants du voyage, Nadia, ainsi emportée à toute vitesse, demeura sans parler. Puis, toujours obsédée de cette pensée unique, arrivée. J'ai compté 300 verstes entre Perm et Ekaterinbourg, frère. Me suis-je trompée? Tu ne t'es pas trompée, Nadia. Et lorsque nous aurons atteint Ekaterinbourg, nous serons au pied même des monts Oural, sur leur versant opposé. Que durera cette traversée dans la montagne? 48 heures, car nous voyagerons nuit et jour. Je dis nuit et jour, Nadia, car je ne peux pas m'arrêter, même un instant. Et il faut que je marche sans relâche vers Irkoutsk. Je ne te retarderai pas, frère. Non, pas même une heure, et nous voyagerons nuit et jour. Eh bien alors, Nadia, puisse l'invasion tartare nous laisser le chemin libre, et avant 20 jours nous serons arrivés. Tu as déjà fait ce voyage? Plusieurs fois. Pendant l'hiver, nous aurions été plus rapidement et plus sûrement, n'est-ce pas? Oui, plus rapidement surtout. Mais tu aurais bien souffert du froid et des neiges. Qu'importe, l'hiver est l'ami du russe. Oui, Nadia. Mais quel tempérament à toute épreuve il faut pour résister à une telle amitié. J'ai vu souvent la température tomber dans les steppes sibériennes à plus de 40 degrés au-dessous de glace. J'ai senti, malgré mon vêtement de peau de renne, mon cœur se glacer, mes membres se tordre, mes pieds se geler sous leurs triples chaussettes de laine. J'ai vu les chevaux de mon traîneau recouverts d'une carapace de glace, leur respiration figée aux naseaux. J'ai vu l'eau de vie de ma gourde se changer en pierre dure que le couteau ne pouvait entamer. Mais mon traîneau filait comme un ouragan. Plus d'obstacles sur la plaine nivelée et blanche à perte de vue. Plus de cours d'eau dont on est obligé de chercher les passages guéables. Plus de lacs qu'il faut traverser en bateau. Partout la glace dure, la route libre, le chemin assuré. Mais au prix de quelle souffrance, Nadia ? Ceux-là seuls pourraient le dire, qui ne sont pas revenus et dont le chasse-neige a bientôt recouvert les cadavres. Cependant, tu es revenu, frère. Oui, mais je suis sibérien. Et tout enfant, quand je suivais mon père dans ses chasses, je m'accoutumais à ces dures épreuves. Mais toi, lorsque tu m'as dit, Nadia, que l'hiver ne t'aurait pas arrêté, que tu serais partie seule, prête à lutter contre les redoutables intempéries du climat sibérien, il m'a semblé te voir perdu dans les neiges et tombant pour ne plus te relever. Combien de fois as-tu traversé la steppe pendant l'hiver? 3 fois, Nadia, lorsque j'allais à Omsk. Et qu'allais-tu faire à Omsk? Voir ma mère qui m'attendait. Et moi, je vais à Irkoutsk, où m'attend mon père.
je vais lui porter les dernières paroles de ma mère. C'est te dire, frère, que rien n'aurait pu m'empêcher de partir. Tu es une brave enfant, Nadia. Et Dieu lui-même t'aurait conduite. Pendant cette journée, le Tarantas fut mené rapidement par les Imchiques qui se succédèrent à chaque relais. Les aigles de la montagne n'eussent pas trouvé leur nom déshonoré par ces aigles de la grande route. Le haut prix payé par chaque cheval, les pourboires largement octroyés, recommandaient les voyageurs d'une façon toute spéciale. Peut-être les maîtres de poste trouvèrent-ils singulier, après la publication de l'arrêté, qu'un jeune homme et sa sœur, évidemment russes tous deux, puissent courir librement à travers la Sibérie, fermée à tous les autres. Mais leurs papiers étaient en règle, et ils avaient le droit de passer. Aussi, les poteaux kilométriques restaient-ils rapidement en arrière du Tarantas. Du reste, Michel Strogoff et Nadia n'étaient pas seuls à suivre la route de Perm à Ekaterinbourg. Dès les premiers relais, le courrier du tsar avait appris qu'une voiture le précédait. Mais comme les chevaux ne lui manquaient pas, il ne s'en préoccupa pas autrement. Pendant cette journée, les quelques haltes durant lesquelles se reposa le Tarantas ne furent uniquement faites que pour les repas. Aux maisons de poste, on trouve à se loger et à se nourrir. D'ailleurs, à défaut de relais, la maison du paysan russe n'eût pas été moins hospitalière. Dans ces villages qui se ressemblent presque tous, avec leurs chapelles à murailles blanches et à toiture verte, le voyageur peut frapper à toutes les portes, elles lui seront ouvertes. Le moudjik viendra, la figure souriante, et tendra la main à son hôte. On lui offrira le pain et le sel, on mettra le samovar sur le feu, et il sera comme chez lui. La famille déménagera plus tôt afin de lui faire place. L'étranger, quand il arrive, est le parent de tous. C'est celui que Dieu envoie. En arrivant le soir, Michel Strogoff, poussé par une sorte d'instinct, demanda au maître de poste depuis combien d'heures la voiture qui le précédait avait passé au relais. « Depuis 2 heures, petit père !» lui répondit le maître de poste. « C'est une berline ?»« Non, une télègue. »« Combien de voyageurs ?»« 2. »« Et ils vont en grand train ?»« Des aigles. » »« Qu'on attelle rapidement. » Michel Strogoff et Nadia, décidés à ne pas s'arrêter 1 heure, voyagèrent toute la nuit. Le temps continuait à être beau, mais on sentait que l'atmosphère, devenue pesante, se saturait peu à peu d'électricité. Aucun nuage n'interceptait les rayons stellaires, et il semblait qu'une sorte de buée chaude s'éleva du sol. Il était à craindre que quelque orage ne se déchaînât dans les montagnes, et ils y sont terribles. Michel Strogoff, habitué à reconnaître les symptômes atmosphériques, pressentait une prochaine lutte des éléments, qui ne laissa pas de le préoccuper. La nuit se passa sans incident. Malgré les chaos du Tarantas, Nadia put dormir pendant quelques heures. La capote à demi relevée permettait d'aspirer le peu d'air que les poumons cherchaient avidement dans cette atmosphère étouffante. Michel Strogoff veilla toute la nuit, se défiant des Imchiques qui s'endorment trop volontiers sur leur siège. Et pas une heure ne fut perdue au relais, pas une heure sur la route. Le lendemain 20 juillet, vers 8 heures du matin, les premiers profils des monts Oural se dessinèrent dans l'est. Cependant, cette importante chaîne qui sépare la Russie d'Europe de la Sibérie se trouvait encore à une assez grande distance. Et on ne pouvait compter l'atteindre avant la fin de la journée. Le passage des montagnes, au milieu des tourbillons d'air et d'eau, c'était absolument jouer sa vie. C'était courir à l'abîme. Attendre, c'est grave, mais c'est sans doute éviter de plus longs retards. La violence de l'orage me fait espérer qu'il ne durera pas. Vers 3 heures, le jour commencera à reparaître et la descente que nous ne pouvons risquer dans l'obscurité deviendra, sinon facile, du moins possible après le lever du soleil. Attends donc, frère. Mais si tu retardes ton départ, que ce ne soit pas pour m'épargner une fatigue ou un danger. Nadia, je sais que tu es décidée à tout braver. Mais en nous compromettant tous deux, je risquerai plus que ma vie, plus que la tienne. Je manquerai à la tâche, au devoir que j'ai avant tout à accomplir. Un devoir ? À ce moment, un violent éclair déchira le ciel et sembla, pour ainsi dire, volatiliser la pluie. Aussitôt un coup sec retentit. L'air fut rempli d'une odeur sulfureuse, presque asphyxiante. Et un bouquet de grands pins frappé par le fluide électrique à 20 pas du Tarantas s'enflamma comme une torche gigantesque. L'Imchik,
jeté à terre par une sorte de choc en retour, se releva heureusement sans blessure. Puis après que les derniers roulements du tonnerre ceindrent la montagne, comme si quelque ouragan supérieur les eût chassés de haut en bas. D'ailleurs, la route montait vers ces grosses nuées, très denses, et presque arrivait déjà au degré de condensation. Avant peu, route et vapeur se confondraient. Et si en ce moment les nuages ne se résolvaient pas en pluie, le brouillard serait tel que le Tarantas ne pourrait plus avancer, sans risquer de tomber dans quelques précipices. Cependant, la chaîne des monts Oural n'atteint qu'une médiocre hauteur. L'altitude de leur plus haut sommet ne dépasse pas 5000 pieds. Les neiges éternelles y sont inconnues, et celles qu'un hiver sibérien entasse à leur cime se dissolvent entièrement au soleil de l'été. Les plantes et les arbres y poussent à toute hauteur, ainsi que l'exploitation des mines de fer et de cuivre, celle des gisements de pierres précieuses nécessite un concours assez considérable d'ouvriers. Aussi ces villages qu'on appelle Zavodi s'y rencontrent assez fréquemment, et la route, percée à travers des grands défilés, est aisément praticable aux voitures de poste. Mais ce qui est facile par le beau temps et en pleine lumière offre difficultés et périls lorsque les éléments luttent violemment entre eux et qu'on est pris dans la lutte. Michel Strogoff savait, pour l'avoir éprouvé déjà, ce qu'est un orage dans la montagne. Et peut-être trouvait-il avec raison ce météore aussi redoutable que ces terribles chasse-neige qui, pendant l'hiver, s'y déchaînent avec une incomparable violence. Au départ, la pluie ne tombait pas encore. Michel Strogoff avait soulevé les rideaux de cuir qui protégeaient l'intérieur du Tarantas, et il regardait devant lui tout en observant les côtés de la route, que la lueur vacillante des lanternes peuplait de fantasques silhouettes. Nadia, immobile, les bras croisés, regardait aussi, mais sans se pencher, tandis que son compagnon, le corps à demi hors de la caisse, interrogeait à la fois le ciel et la terre. L'atmosphère était absolument tranquille, mais d'un calme menaçant. Pas une molécule d'air ne se déplaçait encore. On eût dit que la nature, à demi étouffée, ne respirait plus, et que ses poumons, c'est-à-dire ses nuages mornes et denses, atrophiés par quelque cause, ne pouvaient plus fonctionner. Le silence eût été absolu sans le grincement des roues du Tarantas qui broyait le gravier de la route, le gémissement des moyeux et des ais de la machine, l'aspiration bruyante des chevaux auxquels manquait la laine, et le claquement de leurs pieds ferrés sur les cailloux qui étincelaient au choc. Du reste, route absolument déserte. Le Tarantas ne croisait ni un piéton, ni un cavalier, ni un véhicule quelconque dans ces étroits défilés de l'Oural par cette nuit menaçante. Pas un feu de charbonnier dans les bois, pas un campement de mineurs dans les carrières exploitées, pas une hutte perdue sous les taillis. Il fallait de ces raisons qui ne permettent ni une hésitation, ni un retard pour entreprendre la traversée de la chaîne dans ces conditions. Michel Strogoff n'avait pas hésité, cela ne lui était pas possible. Mais alors, et cela commençait à le préoccuper singulièrement, quels pouvaient donc être ces voyageurs dont la télègue précédait son Tarantas? Et quelle raison majeure avait-il d'être si imprudent? Michel Strogoff, pendant quelque temps, resta ainsi en observation. Vers 11 heures, les éclairs commencèrent à illuminer le ciel et ne discontinuèrent plus. À leur rapide lueur, on voyait apparaître et disparaître la silhouette des grands pins qui se massaient aux divers points de la route. Puis, lorsque le Tarantas s'approchait à raser la bordure du chemin, de profonds gouffres s'éclairaient sous la déflagration des nues. De temps en temps, un roulement plus grave du véhicule indiquait qu'il franchissait un pont de madriers à peine équarri, jeté sur quelques crevasses, et le tonnerre semblait rouler au-dessous de lui. D'ailleurs, l'espace ne tarda pas à s'emplir de bourdonnements monotones, qui devenaient d'autant plus graves qu'ils montaient davantage dans les hauteurs du ciel. À ces bruits divers se mêlaient les cris et les interjections de Limchik, tantôt flattants, tantôt gourmandant ces pauvres bêtes, plus fatiguées de la lourdeur de l'air que de la raideur du chemin. Les sonnettes du brancard ne pouvaient même plus les animer, et par instants, elles fléchissaient sur leurs jambes. À quelle heure arriverons-nous au sommet du col? À 1 heure du matin. Ah, si nous y arrivons! Dis donc, l'ami, tu n'en es pas à ton premier orage dans la montagne, n'est-ce pas? Non. Et fasse Dieu que celui-ci ne soit pas mon dernier. As-tu peur? Je n'ai pas peur. Mais je te répète que tu as eu tort de partir. J'aurais eu plus grand tort de rester. Va donc, mes pigeons! Répliqua Limchik,
en homme qui n'est pas là pour discuter, mais pour obéir. En ce moment, un frémissement lointain se fit entendre. C'était comme un millier de sifflements aigus et assourdissants qui traversaient l'atmosphère, calme jusqu'alors. À la lueur d'un éblouissant éclair qui fut presque aussitôt suivi d'un éclat de tonnerre terrible, Michel Strogoff aperçut de grands pins qui se tordaient sur une cime. Le vent se déchaînait, mais il ne troublait encore que les hautes couches de l'air. Quelques bruits secs indiquèrent que certains arbres, vieux ou mal enracinés, n'avaient pu résister à la première attaque de la bourrasque. Une avalanche de troncs brisés traversa la route après avoir formidablement rebondi sur les rocs et alla se perdre dans l'abîme de gauche, à 200 pas en avant du Tarantas. Les chevaux s'étaient arrêtés court. « Va donc, mes jolies colombes !» cria Limchik, en mêlant les claquements de son fouet au roulement de tonnerre. Michel Strogoff saisit la main de Nadia. « Dors-tu, sœur ?»« Non, frère. »« Sois prête à tout. Voici l'orage. »« Je suis prête. » Michel Strogoff n'eut que le temps de fermer les rideaux de cuir du Tarantas. La bourrasque arrivait en foudre. Limchik, sautant de son siège, se jeta à la tête de ses chevaux afin de les maintenir, car un immense danger menaçait tout l'attelage. En effet, le Tarantas immobile se trouvait alors à un tournant de la route par lequel débouchait la bourrasque. Il fallait donc le tenir tête au vent, sans quoi, pris de côté, il eût immanquablement chaviré et eût été précipité dans un profond abîme que le chemin côtoyait sur la gauche. Les chevaux repoussés par les rafales se cabraient et leur conducteur ne pouvait parvenir à les calmer. Aux interpellations amicales avaient succédé dans sa bouche les qualifications les plus insultantes. Rien n'y faisait. Les malheureuses bêtes, aveuglées par les décharges électriques, épouvantées par les éclats incessants de la foudre qui étaient comparables à des détonations d'artillerie, menaçaient de briser leurs traits et de s'enfuir. Limchik n'était plus maître de son attelage. À ce moment, Michel Strogoff, s'élançant d'un bond hors du Tarantas, lui vint en aide. Doué d'une force peu commune, il parvint non sans peine à maîtriser les chevaux. Mais la furie de l'ouragan redoublait alors. La route en cet endroit s'évasait en forme d'entonnoir et laissait la bourrasque s'y engouffrer comme elle eût fait dans ses manches d'aération tendues au vent à bord des steamers. En même temps, une avalanche de pierres et de troncs d'arbres commençait à rouler du haut des talus. « Nous ne pouvons pas rester ici !»« Nous n'y resterons pas non plus !» s'écria Limchik tout effaré, en se raidissant de toutes ses forces contre cet effroyable déplacement des couches d'air. « L'ouragan aura bientôt fait de nous envoyer au bas de la montagne, et par le plus court !»« Prends le cheval de droite, poltron ! Moi je réponds de celui de gauche !» Un nouvel assaut de la rafale interrompit Michel Strogoff. Le conducteur et lui durent se courber jusqu'à terre pour ne pas être renversés. Mais la voiture, malgré leurs efforts et ceux des chevaux qu'ils maintenaient debout au vent, recula de plusieurs longueurs et sans un tronc d'arbre qui l'arrêta, elle était précipitée hors de la route. N'aie pas peur, Nadia ! Je n'ai pas peur ! Les roulements de tonnerre avaient cessé un instant, et l'effroyable bourrasque, après avoir franchi le tournant, se perdait dans les profondeurs du défilé. « Veux-tu redescendre ?»« Non, il faut remonter, il faut passer ce tournant. Plus haut, nous aurons l'abri du talus. »« Mais les chevaux refusent !»« Fais comme moi et tire-les en avant !»« La bourrasque va revenir » »« Obéiras-tu ? » ?»« Tu le veux ? » ?»« C'est le père qui l'ordonne !» répondit Michel Strogoff, qui invoqua pour la première fois le nom de l'Empereur, ce nom tout-puissant maintenant sur trois parties du monde. « Va donc, mes hirondelles !» s'écria Limchik, saisissant le cheval de droite, pendant que Michel Strogoff en faisait autant de celui de gauche. Les chevaux ainsi tenus reprirent péniblement la route. Ils ne pouvaient plus se jeter de côté, et le cheval de Brancard, n'étant plus tiraillé sur ses flancs, put garder le milieu du chemin. Mais hommes et bêtes, pris debout par les rafales, ne faisaient guère trois pas sans en perdre un, et quelquefois deux. Ils glissaient, ils tombaient, ils se relevaient. À ce jeu, le véhicule risquait fort de se détraquer. Si la capote n'eût pas été solidement assujettie, le Tarantas eût été décoiffé du premier coup. Michel Strogoff et Limchik mirent plus de deux heures à remonter cette portion du chemin, longue d'une demi-verste au plus, et qui était si directement exposée au fouet de la bourrasque. Le danger alors
n'était pas seulement dans ce formidable ouragan qui luttait contre l'attelage et ses deux conducteurs, mais surtout dans cette grêle de pierres et de troncs brisés que la montagne secouait et projetait sur eux. Soudain, un de ces blocs fut aperçu dans l'épanouissement d'un éclair, se mouvant avec une rapidité croissante et roulant dans la direction du Tarantas. Limchik poussa un cri. Michel Strogoff, d'un vigoureux coup de fouet, voulut faire avancer l'attelage qui refusa. Quelques pas seulement, et le bloc eut passé en arrière. Michel Strogoff, en un vingtième de seconde, vit à la fois le Tarantas atteint, sa compagne écrasée. Il comprit qu'il n'avait plus le temps de l'arracher vivante du véhicule. Mais alors, se jetant à l'arrière, trouvant dans cet immense péril une force surhumaine, le dos à l'essieu, les pieds arc-boutés au sol, il repoussa de quelques pieds la lourde voiture. L'énorme bloc, en passant, frôla la poitrine du jeune homme et lui coupa la respiration comme eût fait un boulet de canon en broyant les silex de la route qui étincelèrent au choc. « Frère !» s'était écriée Nadia, épouvantée, qui avait vu toute cette scène à la lueur de l'éclair. Nadia, Nadia, ne crains rien. Ce n'est pas pour moi que je pouvais craindre. Dieu est avec nous, sœur. Avec moi, bien sûr, frère, puisqu'il t'a mis sur ma route. La poussée du Tarantas, due à l'effort de Michel Strogoff, ne devait pas être perdue. Ce fut l'élan donné qui permit aux chevaux affolés de reprendre leur première direction. Traînés, pour ainsi dire, par Michel Strogoff et Limchik, ils remontèrent la route jusqu'à un col étroit, orienté sud et nord, où ils devaient être abrités contre les assauts directs de la tourmente. Le talus de droite faisait là une sorte de redan, dû à la saillie d'un énorme rocher qui occupait le centre d'un remous. Le vent n'y tourbillonnait donc pas et la place y était tenable, tandis qu'à la circonférence de ce cyclone, ni hommes ni chevaux n'eussent pu résister. Et en effet, quelques sapins dont la cime dépassait la rade du rocher furent étêtés en un clin d'œil, comme si une faux gigantesque eût nivelé le talus au ras de leur ramure. L'orage était alors dans toute sa fureur, les éclairs emplissaient le défilé, et les éclats du tonnerre ne discontinuaient plus. Le sol, frémissant sous ses coups furieux, semblait trembler comme si le massif de l'Oural eût été soumis à une trépidation générale. Très heureusement, le Tarantas avait pu être, pour ainsi dire, remisé dans une profonde infractuosité que la bourrasque ne frappait que d'écharpe. Mais il n'était pas si bien défendu que quelques contre-courants obliques, déviés par des saillies du talus, ne l'atteignissent parfois avec violence. Il se heurtait alors contre la paroi du rocher à faire craindre qu'il ne fût brisé en mille pièces. Nadia dut abandonner la place qu'elle y occupait. Michel Strogoff, après avoir cherché à la lueur d'une de ses lanternes, découvrit une excavation due au pic de quelques mineurs. Et la jeune fille put s'y blottir, en attendant que le voyage pût être repris. En ce moment, il était 1h du matin, et la pluie commença à tomber. Et bientôt les rafales faites d'eau et de vent acquirent une violence extrême, sans pouvoir cependant éteindre les feux du ciel. Cette complication rendait tout départ impossible. Donc, quelle que fût l'impatience de Michel Strogoff, et l'on comprend qu'elle fut grande, il lui fallut laisser passer le plus fort de la tourmente. Arrivé d'ailleurs au col même qui franchit la route de Perm, a été transporté tant bien que mal à Ekaterinbourg. Quant à Michel Strogoff, le Tarantas lui appartenait. Il n'avait pas trop souffert du voyage à travers les monts Oural, et il suffisait d'y atteler 3 bons chevaux pour l'entraîner rapidement sur la route d'Irkoutsk. Jusqu'à Tioumen, et même jusqu'à Novozymskoï. Cette route devait être assez accidentée, car elle se développait encore sur ces capricieuses ondulations du sol qui donnent naissance aux premières pentes de l'Oural. Mais après l'étape de Novozymskoï, commençait l'immense steppe qui s'étendait jusqu'aux approches de Krasnoïsk, sur un espace de 1700 verstes environ. C'était à Ichim, on le sait, que les deux correspondants avaient l'intention de se rendre, c'est-à-dire à 630 verstes d'Ekaterinbourg. Là, ils devaient prendre conseil des événements, puis se diriger à travers les régions envahies, soit ensemble, soit séparément, suivant que leur instinct de chasseur les jetterait sur une piste ou sur une autre. Or, cette route d'Ekaterinbourg à Ichim, qui se dirige vers Irkoutsk, était la seule que put prendre Michel Strogoff. Seulement, lui qui ne courait pas après les nouvelles, et qui aurait voulu éviter au contraire le pays dévasté par les envahisseurs, il était bien résolu à ne s'arrêter nulle part. Messieurs,
Je serai très satisfait de faire avec vous une partie de mon voyage, mais je dois vous prévenir que je suis extrêmement pressé d'arriver à Omsk, car ma sœur et moi, nous y allons rejoindre notre mère. Qui sait même si nous arriverons avant que les Tartares aient envahi la ville. Et je ne m'arrêterai donc au relais que le temps de changer de chevaux, et je voyagerai jour et nuit. Nous comptons bien agir ainsi. Soit. Mais ne perdez pas un instant. Louez ou achetez une voiture dont l'arrière-train veuille bien arriver en même temps que l'avant-train à Ichim. Une demi-heure après, le diligent français avait trouvé, facilement d'ailleurs, un tarantas à peu près semblable à celui de Michel Strogoff, et dans lequel son compagnon et lui s'installèrent aussitôt. Michel Strogoff et Nadia reprirent place dans leur véhicule, et à midi, les deux attelages quittèrent de conserve la ville d'Ekaterinbourg. Nadia était enfin en Sibérie, et sur cette longue route qui conduit à Irkoutsk. Quelles devaient être alors les pensées de la jeune Livonienne ? Trois rapides chevaux l'emportaient à travers cette terre de l'exil, où son père était condamné à vivre, longtemps peut-être, et si loin de son pays natal. Mais c'était à peine si elle voyait se dérouler devant ses yeux ces longues steppes qui, à un instant, lui avaient été fermées, car son regard allait plus les recueils, les brochures, les bulletins, les magazines publiés par les sociétés savantes, l'éditeur d'une troupe anglaise annonça au théâtre de Baltimore la représentation de « Much Ado About Nothing ». Mais la population de la ville, voyant dans ce titre une allusion blessante aux propos du président Barbicane, envahit la salle, brisa les banquettes et obligea le malheureux directeur à changer son affiche. Celui-ci, en homme d'esprit, s'inclinant devant la volonté publique, remplaça la malencontreuse comédie par « As you like it ». Et pendant plusieurs semaines, il fit des recettes phénoménales. Chapitre 4. Réponse de l'Observatoire de Cambridge. Cependant, Barbicane ne perdit pas un instant au milieu des ovations dont il était l'objet. Son premier soin fut de réunir ses collègues dans les bureaux du Gun Club. Là, après discussion, on convint de consulter les astronomes sur la partie astronomique de l'entreprise. La réponse une fois connue, on discuterait alors les moyens mécaniques. Et rien ne serait négligé pour assurer le succès de cette grande expérience. Une note très précise, contenant des questions spéciales, fut donc rédigée et adressée à l'Observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts. Cette ville, où fut fondée la première université des États-Unis, est justement célèbre par son bureau astronomique. Là se trouvent réunis des savants du plus haut mérite. Là fonctionne la puissante lunette qui permit à Bond de résoudre la nébuleuse d'Andromède et à Clark de découvrir le satellite de Sirius. Cet établissement célèbre justifiait donc à tous les titres la confiance du Gun Club. Aussi, deux jours après, sa réponse, si impatiemment attendue, arrivait entre les mains du président Barbicane. Elle était conçue en ces termes. Le directeur de l'Observatoire de Cambridge au président du Gun Club à Baltimore. Cambridge, 7 octobre. Au reçu de votre honoré du 6 courant, adressé à l'Observatoire de Cambridge au nom des membres du Gun Club de Baltimore, notre bureau s'est immédiatement réuni et il a jugé à propos de répondre comme suit. Les questions qui lui ont été posées sont celles-ci. Premièrement, est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune? Deuxièmement, quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite? Troisièmement, quelle sera la durée du trajet du projectile auquel aura été imprimée une vitesse initiale suffisante? Et par conséquent, à quel moment devra-t-on le lancer pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé? Quatrièmement, à quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable pour être atteinte par le projectile? Cinquièmement, quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile? Sixièmement, quelle place la Lune occupera-t-elle dans le ciel au moment où partira le projectile? Sur la première question, est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune? Oui. Il est possible d'envoyer un projectile dans la Lune. Si l'on parvient à animer ce projectile d'une vitesse initiale de 12 000 yards par seconde.
Le calcul démontre que cette vitesse est suffisante. À mesure que l'on s'éloigne de la Terre, l'action de la pesanteur diminue en raison inverse du carré des distances. C'est-à-dire que pour une distance trois fois plus grande, cette action est neuf fois moins forte. En conséquence, la pesanteur du boulet décroîtra rapidement et finira par s'annuler complètement au moment où l'attraction de la Lune fera équilibre à celle de la Terre, c'est-à-dire au 47/52e du trajet. En ce moment, le projectile ne pèsera plus, et s'il franchit ce point, il tombera sur la Lune par l'effet seul de l'attraction lunaire. La possibilité théorique de l'expérience est donc absolument démontrée. Quant à sa réussite, elle dépend uniquement de la puissance de l'engin employé. Sur la deuxième question, quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite? La Lune ne décrit pas autour de la Terre une circonférence, mais bien une ellipse, dont notre globe occupe l'un des foyers. De là cette conséquence que la Lune se trouve tantôt plus rapprochée de la Terre et tantôt plus éloignée, ou en termes astronomiques, tantôt dans son apogée, tantôt dans son périgée. Or, la différence entre sa plus grande et sa plus petite distance est assez considérable dans l'espèce pour qu'on ne doive pas la négliger. En effet, dans son apogée, la Lune est à 247 552 miles et dans son périgée à 218 657 miles seulement, ce qui fait une différence de 28 895 miles ou plus d'une neuvième du parcours. C'est donc la distance périgéenne de la Lune qui doit servir de base au calcul. Sur la troisième question, quelle sera la durée du trajet du projectile auquel aura été imprimée une vitesse initiale suffisante et par conséquent, à quel moment devra-t-on le lancer pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé? Si le boulet conservait indéfiniment la vitesse initiale de 12 milliards par seconde, qui lui aura été imprimé à son départ, il ne mettrait que 9 heures environ à se rendre à sa destination. Mais, comme cette vitesse initiale ira continuellement en décroissant, il se trouve, tout calcul fait, que le projectile emploiera 300 000 secondes, soit 83 heures et 20 minutes pour atteindre le point où les attractions terrestres et lunaires se font équilibre. Et de ce point, il tombera sur la Lune en 50 000 secondes. Ou 13h53 minutes et 20 secondes. Il conviendra donc de le lancer 97h13 minutes et 20 secondes avant l'arrivée de la Lune au point visé. Sur la quatrième question, à quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable pour être atteinte par le projectile? D'après ce qui vient d'être dit ci-dessus, il faut d'abord choisir l'époque où la Lune sera dans son périgée et en même temps le moment où elle passera au zénith, ce qui diminuera encore le parcours d'une distance égale au rayon terrestre, soit 3919 miles, de telle sorte que le trajet définitif sera de 214 976 miles. Mais si chaque mois la Lune passe à son périgée, elle ne se trouve pas toujours au zénith à ce moment. Elle ne se présente dans ces deux conditions qu'à de longs intervalles. Il faudra donc attendre la coïncidence du passage au périgée et au zénith. Or, par une heureuse circonstance, le 4 décembre de l'année prochaine, la Lune offrira ces deux conditions. À minuit, elle sera dans son périgée, c'est-à-dire sa plus courte distance de la Terre, et elle passera en même temps au zénith. Sur la cinquième question, quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile? Les observations précédentes étant admises, le canon devra être braqué sur le zénith du lieu, de la sorte que le tir sera perpendiculaire au plan de l'horizon et le projectile se dérobera plus rapidement aux effets de l'attraction terrestre. Mais pour que la Lune, ce qui nuirait à le roman de la Lune. Un observateur doué d'une vue infiniment pénétrante et placé à ce centre inconnu autour duquel gravite le monde aurait vu des myriades d'atomes remplir l'espace à l'époque chaotique de l'univers.
peu à peu, avec les siècles, un changement se produisit. Une loi d'attraction se manifesta, à laquelle obéirent les atomes errants jusqu'alors. Ces atomes se combinèrent chimiquement suivant leurs affinités, se firent molécules, et formèrent ces amas nébuleux dont sont parsemées les profondeurs du ciel. Ces amas furent aussitôt animés d'un mouvement de rotation autour de leur point central. Ce centre, formé de molécules vagues, se prit à tourner sur lui-même en se condensant progressivement. D'ailleurs, suivant des lois immuables de la mécanique, à mesure que son volume diminuait par la condensation, son mouvement de rotation s'accélérait. Et ces deux effets persistants, il en résulta une étoile principale, centre de l'amas nébuleux. En regardant attentivement, l'observateur eut alors vu les autres molécules de l'amas se comporter comme l'étoile centrale, se condenser à sa façon par un mouvement de rotation progressivement accéléré et graviter autour d'elle sous forme d'étoiles innombrables. La nébuleuse, dont les astronomes comptent près de 5000 actuellement, était formée. Parmi les 5000 nébuleuses, il en est une que les hommes ont nommée la Voie lactée et qui renferme 18 millions d'étoiles, dont chacune est devenue le centre d'un monde solaire. Si l'observateur eut alors spécialement examiné entre ces 18 millions d'astres, définitivement la question. Grâce à ces savants, l'élévation des montagnes de la Lune est parfaitement connue aujourd'hui. Messieurs Baer et Mödler ont mesuré 1905 hauteurs, dont 6 sont au-dessus de 2600 toises, et 22 au-dessus de 2400. Leur plus haut sommet domine de 3801 toises la surface du disque lunaire. En même temps, la reconnaissance de la Lune se complétait. Cet astre apparaissait criblé de cratères, et sa nature essentiellement volcanique s'affirmait à chaque observation. Du défaut de réfraction dans les rayons des planètes occultés par elle, on conclut que l'atmosphère devait presque absolument le rôle. Ils rappelèrent les influences que lui prêtait l'ignorance des premiers âges. Ils le chantèrent sur tous les tons. Un peu plus, ils eussent cité de ces bons mots. L'Amérique entière fut prise de sélénomanie. De leur côté, les revues scientifiques traitèrent plus spécialement les questions qui touchaient à l'entreprise du Gun Club. La lettre de l'observateur